Alors, chers amis, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers peuples d'Afrique, Afrique de la liberté, je vous salue donc depuis vos différentes positions, je vous salue depuis vos différents bords. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Afrique de la liberté, mercredi 21 juin 2023, il faut dire que si on peut le dire ainsi. Voilà, les États-Unis viennent comme ça de prendre position. Qu'est-ce qui se passe à Kidal? Afrique de la liberté, c'est aussi la fin du parcours pour la MINUSMA. La MINUSMA, il faut dire que c'est définitivement fini. Le grand Goïta vient encore, c'est-à-dire ce grand homme de vision qui se bat aujourd'hui non seulement pour le Mali, mais aussi pour la libération totale de l'Afrique, vient comme ça une fois de plus de frapper très fort. Restez donc scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Mettez le pouce bleu, il faudrait faire le maximum de partage, assez de partage. Invitez vos amis, taguez vos amis et protégez la vidéo avec des likes, assez de likes. Afrique de la liberté, bienvenue donc sur Côte d'Ivoire 2020. Je suis tout simplement l'Amiral Bafé sur cette plateforme panafricaine. Côte d'Ivoire 2020, c'est votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Nous sommes là pour mener le combat de la liberté, le combat pour la libération totale de l'Afrique. Alors si vous êtes pour ce combat, si vous êtes dans ce combat, abonnez-vous tout simplement, partagez nos directs, invitez vos amis, taguez vos amis, pour que ce que nous disions ici là, ça puisse atteindre le maximum de personnes. Il faudrait faire le maximum de partage pour que ça puisse arriver là où ça doit arriver, pour que nos frères et sœurs s'apprêtent pour le combat final. Nous sommes en train de gagner la guerre et cette guerre, il faudrait qu'on soit très très nombreux pour un grand soulèvement. Et ce jour-là est en train d'arriver et ce jour-là va arriver. Le grand soulèvement de la libération est proche. Et c'est ce combat que mène Assimi Goïta depuis donc le Mali. Quiconque est contre Assimi est contre l'évolution, l'émergence comme ça de l'Afrique. Quiconque est contre le combat que mène ce grand homme digne, qui se bat comme ça pour l'intérêt du Mali, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt général. Donc tous ceux qui ne sont pas pour la vision de ce grand homme, toutes ces personnes sont les ennemis de l'Afrique. Tous ceux qui sont contre le combat que mène Assimi Goïta, ce sont nos ennemis, ce sont les ennemis des panafricains, des Africains. Ils ne veulent pas voir notre Afrique évoluer. Ils ne veulent pas que nous soyons libres. Ils ne veulent pas que nous voluions de nous-mêmes, nos propres ailes. Ils sont contre les Africains, ils sont contre le continent africain. Alors toutes ces personnes devaient être combattus, c'est-à-dire on doit les combattre jusqu'à la dernière énergie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, on va aller pour la première information depuis donc le Sénégal par rapport à la corruption, au détournement, crime, torture. Par rapport à tout ceci, Sonko exige la démission sans délai, comme l'a fait le Mali avec la MINUSMA. Sonko exige comme ça la démission sans délai et sans condition de Macky Sall. C'est ça aussi que la vérité. Macky Sall, c'est-à-dire, doit démissionner sans délai. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez le pouce bleu, je vous prie. Il faut partager. Il ne faudrait pas garder la vidéo pour soi-même. Il faut partager le message. Il faut partager le message à tous les Africains, à tous les Panafricains. Il faut que nos frères et sœurs, partout en Afrique, partout dans le monde, puissent être informés de ce qui se passe actuellement dans notre continent. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc pour ce faire, il faudrait que vous partagiez massivement. Sans oublier comme ça de mettre assez de pouces pour protéger. Comme ça donc la vidéo, c'est très important. Alors Afrique de la liberté, chers amis, chers panafricains, chers panafricaines. D'après donc Ousmane Sonko, face à cette terreur d'État ouvertement assumée, les partenaires internationaux du Sénégal devrait comme ça s'abstenir de tout soutien au projet destructeur de Macky Sall, un homme assoiffé comme ça de pouvoir. Selon le maire de Ziguinchor, la motivation principale de Macky Sall est la peur des lendemains de sa gestion calamiteuse, clanique et violente, émaillée de corruption, de détournement et de crimes odieux jusque-là totalement impunis. Il devrait demander, dans la limite protocolaire et les exigences de respect de la souveraineté nationale et de la Constitution,
le respect de la volonté du peuple sénégalais et ses aspirations légitimes. Il devrait condamner l'obsession du président Macky Sall pour une troisième candidature illégale, immorale et surtout destructrice. Il devrait exiger l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques dans le but de liquider des adversaires politiques, déclare Ousmane Sonko. Aussi, M. Ousmane Sonko exige aussi l'arrestation immédiate du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, du ministre de la Justice, du ministre des Forces armées, du ministre des Finances et du Budget, du ministre de la Jeunesse, du fils du président de la République impliqué dans le recrutement des miliciens pour complicité de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et, entre autres, de traitements inhumains et dégradants contre les civils. Le leader de PASTEF exige aussi l'identification et l'arrestation immédiate des novices et miliciens armés engagés par diverses personnalités politiques du gouvernement et de la coalition au pouvoir Benno Bok Yassa pour semer la terreur et tuer de manière systématique des manifestants et des civils. L'ouverture immédiate d'une enquête internationale contre les responsables des crimes odieux constatés comme ça depuis ces derniers temps est suffisamment documentée, notamment contre Macky Sall, son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Justice, son ministre des Forces armées, le haut commandement de la gendarmerie, le directeur général de la police, le directeur de la sécurité publique, le commissaire central de Dakar et tous les ministres ou responsables politiques de la coalition Benno Bok Yassa, directement ou indirectement impliqués dans le recrutement, l'équipement, le financement et l'encadrement des miliciens. Donc, pour conclure, M. Sonko exige la démission sans délai et sans condition de M. Macky Sall à la tête du Sénégal. Et c'est là, c'est aussi que la vérité, Macky Sall doit démissionner. C'est ça aussi là que la vérité. Pour la deuxième information, mesdames et messieurs, petite transition pour aller au Mali, fin de parcours pour la MINUSMA, info née de l'impérialisme. C'est fini pour la MINUSMA, il faut dire que le procédé testé avec succès en Côte d'Ivoire permettrait à un mauvais perdant au Mali de gravir les marches de Koulouba avec la MINUSMA servant de force supplétive aux troupes françaises. La MINUSMA, mesdames et messieurs, inspire un certain désenchantement par rapport aux espérances qu'elle avait d'abord suscitées. On peut donc chercher et trouver la raison dans son inactivité ou sa passivité face à une guerre asymétrique échappant à une résolution classique des conflits. Malgré donc ses 15 000 hommes déployés sur le terrain, son bilan est risible et sa présence jugée coûteuse, inutile, inefficace, voire néfaste, est mal ressentie par la population. Le mandat trop timoré est alors en cause qu'elle tente de compenser par la publication de rapports épinglant les opérations de lutte contre le terrorisme déclenchées par le gouvernement, mais reste muet comme une carpe sur les assassinats de militaires maliens perpétrés par des groupes terroristes. Ce dernier rapport relatif aux événements de Moura, fruit de l'imprécision, entièrement rédigé au conditionnel, et les graves accusations portées laissant deviner que la mission des Nations Unies est au service d'intérêts obscurs de puissances étrangères dont la représentation au sein du Conseil de sécurité est dirigée comme ça en machine de guerre contre les dirigeants hostiles. Alors que les braves populations assistent comme ça impuissamment. Alors que, chers frères et sœurs, Afrique de liberté, les braves populations assistent comme ça impuissants à l'incinération de leurs récoltes s'ils ne sont pas empêchés d'ailleurs de cultiver les champs ou ne tombent pas sous les balles d'obscurantistes. Alors que les femmes sont victimes de viols à répétition. Alors que le bétail est soit abattu, soit emporté, la France en bouche. La trompette et appelle à la tenue des élections. L'indécence, c'est le dispute avec la mécanerie. Partagez, protégez, je vous prie. Le jeu trouble comme ça des Occidentaux, combinant
intérêts économiques et ingérences politiques à la sauce néocoloniale le poussent à choisir son camp dans les guerres civiles. En témoigne comme ça le basculement en 2002 du côté des forces nouvelles, puis plus officiellement derrière le monstre, le sanguinaire, derrière le petit acteur, le vieux menteur, derrière l'imposteur Alassane Dramane Ouattara, au détriment de Koudou Laurent Gbagbo. L'ONUCI a suivi aveuglément les instructions de Paris, outrepassant comme ça son mandat de protection des populations civiles pour aller au début de l'année 2011 bombarder comme ça le palais présidentiel d'un président démocratiquement élu. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Bombarder comme ça le palais présidentiel de Koudou Laurent Gbagbo. D'ailleurs, la résolution 1975 du Conseil de sécurité autorisant l'ONUCI comme ça à recourir à la force porte l'empreinte comme ça de la France. Ça porte l'empreinte de la France. Le même procédé allait être à l'œuvre au Mali. La MINUSMA allait servir de force supplétive aux troupes françaises stationnées dans les pays voisins, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, pour installer au pouvoir un mauvais perdant à la prochaine élection présidentielle, prêt à servir les intérêts occidentaux sur un plateau d'argent. C'est ça, c'est que la vérité. C'est le même procédé qui allait être à l'œuvre au Mali. Ce scénario est désormais éclaté. Ce scénario-là est désormais éclaté. Le chef de la MINUSMA, El Gassim, a vu juste en lâchant ces mots. Mais ce que je veux faire valoir, et tout le monde est d'accord sur ce point, c'est que le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte. Et sans ce consentement, les opérations sont presque impossibles. Le ministre malien des Affaires étrangères, M. le Grand Abdoulaye Diop, a vendredi 16 juin 2023 dernier enfoncé le dernier clou sur le cercueil de la MINUSMA en rejetant toutes les options d'évolution du mandat proposé par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant comme ça les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali, a-t-il martelé. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. La MINUSMA n'a plus sa place au Mali, fin de parcours de cet instrument destructeur à la base du malheur des Africains. Il faudrait que cette MINUSMA dégage. Et peu à peu, l'Afrique est en train de se vider de toutes ces substances nauséabondes, toutes ces substances qui n'ont pas lieu d'être. Peu à peu, l'Afrique est en train de se débarrasser de ce système. C'est pourquoi nous appelions encore une fois de plus depuis la Côte d'Ivoire les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, là, dire la vérité en Côte d'Ivoire, c'est aller en prison. La vérité aujourd'hui est un tabou en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, critiquer est un tabou. Dénoncer est un tabou. Dire la vérité en Côte d'Ivoire est un tabou. Aujourd'hui, c'est le système qui contrôle tout en Côte d'Ivoire. Alors, comment voulez-vous aller aux élections et battre le système qui est en place en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Dramane Ouattara qui va aux élections avec les Ivoiriens, avec l'opposition, mais c'est la France. C'est le système français qui va aux élections avec l'opposition de Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous gagner ces élections? Alors que déjà, pour des simples élections municipales et régionales à venir, la France a déjà envoyé, on nous parle de combien de soldats déjà qui sont en terre ivoirienne. Simples élections régionales et municipales. La France envoie déjà ses soldats. Pourquoi faire? Nous sommes bien sûr un pays indépendant ou pas.
Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant ou pas? La Côte d'Ivoire est encore un territoire d'outre-mer, chers frères et sœurs, et c'est pourquoi nous devons nous lever pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante. La Côte d'Ivoire est encore sous donc l'emprise du néocolonialiste. C'est ça aussi là qui est la vérité. Partager, protéger, c'est pourquoi le Mali n'en veut plus. C'est pourquoi le Burkina Faso n'en veut plus de cette France de merde. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire doit se débarrasser de cette France de merde. Il faut combattre le système. Il faut donc combattre ce système et Ouattara va tomber. Parce que combattre Ouattara, combattre la personnalité de Ouattara simplement, c'est perdre notre temps. Parce que derrière Ouattara se trouve un système. Et c'est ce système que nous devons combattre. Nous devons mettre à terre ce système pour que Ouattara puisse libérer le plancher. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne doit en aucun cas, je répète encore ce soir, parler d'élection en Côte d'Ivoire, on ne doit même pas parler la langue élection en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, vous savez pourquoi. Rien n'est réuni. Les conditions ne sont pas réunies pour parler d'élection. Ce sont eux encore qui contrôlent, ce sont eux encore qui décident. Aujourd'hui là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Et le comble, c'est que Dramane Ouattara est en train d'encore arracher la terre de nos parents, la terre de nos ancêtres. Dramane Ouattara est en train de déposséder les Ivoiriens de tous les biens. Et personne ne parle, personne ne réagit. Les Ivoiriens, il faut prendre nos responsabilités. Personne ne viendra faire ce combat. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend pour demander des explications à Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend pour demander des explications à la France, au Burkina Faso, au Mali? C'est-à-dire quand la France a vu que ses intérêts étaient menacés là, qu'est-ce qu'elle a fait? Au Burkina Faso et puis au Mali, en Guinée, je crois bien, c'est-à-dire quand la France a vu que ses intérêts étaient menacés, quand la France a vu que ses intérêts sont attaqués de partout, mais elle a rebroussé chemin. Elle a préféré, c'est-à-dire libérer le plancher. C'est ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Il faut menacer les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. La France va tout de suite prendre position. Parce que la France ne voit que ses intérêts. Chaque peuple de Côte d'Ivoire, pour nos parents encore en prison, pour nos frères et sœurs encore en prison, pour toutes ces personnes encore en prison, ces hommes politiques, ces militaires, encore détenus illégalement, sans preuve, sans motif, par Dramane Ouattara, il faut qu'on réagisse. Il faut réagir et c'est maintenant qu'il faut le faire. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Trop, c'est trop. Dramane Ouattara en a assez fait. Dramane Ouattara en a assez fait et c'est maintenant qu'il faut faire tomber ce monstre. Très important, c'est très capital. Alors, chers amis, partagez, protégez, on va rapidement aller au Mali. On va maintenant se rendre au Mali. Qu'est-ce qui se passe avec le Grassimi Goïta? Il faut dire que les choses sont en train de prendre une autre tournure. L'Amérique, les États-Unis viennent comme ça de prendre position. Donc, on s'en va plus. On va écouter notre sœur Maimouna Camara. On va rapidement l'écouter pour en savoir plus sur ce qui se passe actuellement au Mali. C'est très important. Écoutons-la. Plus B que la récréation est terminée. Le Mali a encore démontré par A plus B que le Mali est un pays démocrate. Le Mali est un pays souverain. Et quiconque va aller à l'encontre de ce que le peuple malien veut, ils seront dehors. C'est simple, clair et limpide comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, la France est déboussolée. La France ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de péter les plombs. Emmanuel Macron n'arrive pas à comprendre que un petit pays comme le Mali, oui, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ont sous-estimé le Mali. Ils ont cru que ça allait être un type du tic au tac. On allait faire la pression, on allait mettre l'embargo, voilà, et tout, des sanctions à n'en point finir. Et maintenant, le Mali allait give up, le Mali allait céder et puis dire que non, voilà, on ne veut pas. Ils ont même payé certains Maliens à les inciter à sortir, à les inciter à faire des coups louches contre le Mali. Il y a eu des tentatives de coup d'État qui ont été échouées. On ne parle pas de tout sur les réseaux sociaux, mais nous savons très bien, la guerre sait très bien ce qui se passe au niveau du Mali. Il y a eu des tentatives de coup d'État
Jimmy Goïta a combien de reprises, je n'en sais. Mais tout ça, ce n'est pas sorti sur les réseaux sociaux parce que Assimi Goïta ne se met pas dans la peau d'une victime. Il a décidé d'être à la tête du Mali. Il assume. Et il assume ses responsabilités à plein temps. Il ne se met pas dans la peau d'une victime pour dire « Mais pourquoi est-ce que les Français font comme ça? Pourquoi les Français font ça? Pourquoi on a tout cet acharnement ?» Non, Assimi Goïta s'est mis dans la tête. Il s'est mis dans la posture d'un leader. Un leader. Et le leader, quand il y a une situation qui est mise face à toi, tu ne pleurniches pas. Tu trouves des voies et moyens pour régler le problème. Tu trouves des voies et moyens pour contrarier le problème. Tu trouves des voies et moyens pour démontrer à la personne qui est en face de toi. Non, ne pense pas que j'ai une seule option. J'ai des options. Je suis sur mon droit. J'ai les pieds à terre. Je suis ferme sur ce que je dis et je suis ferme sur ce que je fais parce que je suis au contrôle. Assimi a démontré à qui veut l'encore haut et haut qu'il est au contrôle. Il est le patron. Il est le chef suprême de l'armée du Mali. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'on fait. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est exécuté. Ce n'est pas la France qui va diriger le Mali. Ce n'est pas les États-Unis qui vont diriger le Mali. Ce n'est pas la Russie qui va diriger le Mali. Et le Mali l'a dit, et les Maliens l'ont dit haut et fort qu'ils sont libres de dealer avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et je veux que ça reste dans votre tête. C'est encore une victoire. C'est encore une manière que Assimi Goïta a démontré et a imposé le respect. Il a imposé le respect. C'est ça qui est la vérité. Assimi a imposé le respect. Toutes les personnes qui parlaient, oh la jeune malienne, oh, les cinq colonels. Oh là là là. Mais aujourd'hui, là. Ils ont démontré par A plus B que vous les avez minimisés. Mais aujourd'hui, là, vous ne vous rendez même pas compte. Le Mali est aujourd'hui en Afrique de l'Ouest l'un des pays les plus sécurisés. L'un des pays qui a le plus d'armement. Et ça dérange. Ça dérange l'Europe. Ça dérange Emmanuel Macron. Oui, ça le dérange. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas venir. Au départ, ils se sont basés sur le fait de dire que, ah, mais pourquoi? Tout l'argent du Mali, ils vont payer les armes, ils vont faire comme si, ils vont... Mais si on ne sécurise pas son territoire, on va laisser l'opportunité à n'importe qui, n'importe comment, de pouvoir rentrer et faire du n'importe quoi et n'importe comment. Aujourd'hui, le Mali a assuré ses frontières. Aujourd'hui, le Mali est en train de mener un combat contre le terrorisme. Ouh là là, à un certain level que la MINUSMA, pendant plus de 10 ans, n'ont pas pu mener. Aujourd'hui, le Mali est en train de démontrer et continuer à démontrer que nous pouvons prendre notre destin en main. Nous pouvons mener ce combat de la démocratie, le combat de Malikoura, le combat qui va emmener tout peuple, qui va emmener tout Malien à aller de l'avant, le combat de la cohésion, le combat de l'amour, de l'union, de la fraternité entre les Maliens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut le reconnaître. Que le gouvernement des transitions est en train de faire un travail phénoménal concernant cela. Et aujourd'hui, on est en train de recorder ce qui a été semé. La patience est un chemin d'or, on le dit haut et fort. Les Maliens ont été patients, les Maliens ont pris leur patience en main. Les Maliens ont succombé, ont accepté, ont traversé. Mais on va faire l'ombre, qu'est-ce qu'il y a qu'on a l'ébé. Bien américain on coco ben décision Assimi Goïta ben Mali on ka décision respecter ka fo communisme ay bon mal là eh ou te heré ou te nouvelle maya ou une nouvelle bonne et quoi ah ou une nouvelle bonne aide donc nous sommes heureux et nous félicitons. Nous avons continué à soutenir Assimi Goïta, nous allons continuer à le soutenir parce que aujourd'hui Assimi a tracé un chemin pour tout Africain à nous dire que c'est pas facile. Hein. Il y a des moments où nous allons traverser, des moments où nous allons penser que, ah non, tout est perdu. Il y a des moments où on va nous mettre dans des postures où nous allons avoir le dos au mur. Même ayant le dos au mur, tu peux toujours déclencher une situation pour t'en sortir. Assimi a démontré cela. Il continue de démontrer. Le Mali a plein de potentiel. Regardez tout ce qui est en train de se passer au niveau du Mali aujourd'hui. Regardez l'évolution du Mali en si peu de temps, en 2 ans. Ce que Assimi Goïta a eu à faire, même Modibo Keïta, n'a pas pu le faire. Ce que Assimi
Jimmy Goïta est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas un président au niveau du Mali. Et je mets quiconque au défi en si peu de temps a pu le faire. Moi, aujourd'hui, ma conception de l'Afrique, ma conception de l'Africain, ma conception de voir les choses, quand on dit faire la politique autrement et faire la politique intelligemment, c'est de se mettre dans une posture qui emmène au pays à aller de l'avant. Ce n'est plus une question de personne. Les Africains ne doivent plus mourir pour une personne. Les Africains ne doivent plus mourir pour un leader. Les Africains ne doivent plus mourir pour un président. Nous devons mourir pour la souveraineté de nos pays. Nous devons mourir pour nos causes. Nous devons mourir pour nos visions, pour nos convictions. Et nous allons aider les personnes qui peuvent mener nos convictions à aller de l'avant. Ce n'est plus une question de « Ah non, c'est Assimi même, Assimi lui-même, il ne s'appartient plus. Assimi même ne s'appartient plus. » Aujourd'hui, quand on parle de Assimi Goïta, qui est ce monsieur, Assimi Goïta? Qui est ce monsieur qui est venu de nulle part, qui a changé, qui est en train de bouleverser, qui est en train de secouer l'Europe, l'Amérique, l'Afrique? Comment est-ce que il a pu parvenir à instaurer ce respect? Assimi ne l'a pas fait seul. Assimi l'a fait avec des personnes qui sont autour de lui, qui pensent à l'avenir du Mali. Des personnes comme Sadio Camara, mon frère Sadio Camara. Des personnes comme mon frère Ablaye Diop, qui fait un travail phénoménal que je félicite. Et je continue à le féliciter pour tout le travail qu'il est en train de faire. Des personnes comme Modibo Koné, qui sont là pour protéger le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des personnes comme Ablaye Maïga, des personnes comme le papa Chougan. Je le dis haut et fort qu'aujourd'hui, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et les Maliens ne donnent plus le choix à qui de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et ça, c'est vraiment un message haut et un message fort. Ils ont parlé haut, ils ont parlé fort. Et nous, les Africains, nous avons entendu le message. Et je pense que tout Africain doit continuer à aller sur ce chemin. Tout Africain doit comprendre aujourd'hui que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat pour un intérêt personnel. C'est un intérêt de l'État. Un combat pour mener l'Afrique à aller de l'avant. Un combat pour mener un combat pour permettre à nos enfants, à nos petits-enfants de s'asseoir un jour et dire « Waouh, ça n'a pas été facile. Qui aurait cru ?» Mais nous avons pu aboutir à cela. Nous avons pu aboutir à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donne-moi une seconde. Désolée. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons comprendre aujourd'hui que le combat est un combat panafricain. Ce n'est plus un combat de Assimi Goïta seul, c'est un combat de toute l'Afrique. Un combat de toute l'Afrique. Nous allons parler maintenant de ce qui se passe au niveau des Kidal. Des fouteurs de merde comme d'habitude. Dans la déon façon qu'elle est là-haut. Des enfants, des personnes sans dignité. Des personnes sans cause. Des personnes sans avenir qui veulent venir mettre les bâtons dans les roues de Assimi Goïta, les bâtons dans les roues des Maliens. Je l'ai dit, ce n'est même plus l'histoire d'Assimi Goïta, c'est une histoire du Mali. Qui veulent venir gâter. J'ai dit cette histoire de Kidal. On va écouter d'abord ce qui a été dit. Et nous allons... Donc, c'est déroulé hier et la Commission nationale de centralisation des résultats de ce référendum est à pied d'œuvre sur les 24 416 bureaux de vote et les résultats de 19 061 bureaux sont déjà disponibles. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Mustapha Cissé, salue la détermination des membres de la commission qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce scrutin. Il déplore certaines informations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport au cas de Kidal. Selon lui, la région de Kidal n'est pas restée en marge de ce référendum. Écoutons Mustapha Cissé de Lège au micro de Boubacar Kanouté.
Les travaux se déroulent normalement. Les travaux de la Commission nationale de centralisation ont débuté hier à 18h, immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Et vous avez constaté, depuis, nous travaillons sans discontinu. Je puis vous dire que nous travaillons dans d'excellentes conditions. Nous avons des commissions locales de centralisation sur l'ensemble du territoire national qui sont à pied d'œuvre. Et au regard des dispositions de la loi électorale, l'EJ dispose de 5 jours pour la proclamation des résultats provisoires et nous sommes dans les délais. Et je voudrais préciser ici que nous saluons, nous félicitons l'implication positive et harmonieuse des différentes composantes de coordination de l'EJ, tant au niveau national qu'à l'étranger et dans les ambassades et consulats. Je voudrais aussi, sur un autre plan, un autre domaine qui concerne l'autorité indépendante de gestion des élections, vous dire que depuis un certain temps, nous avons constaté dans la matinée d'aujourd'hui que des individus, de toute évidence mal intentionnés, procèdent à la diffusion d'informations tendant à discréditer le processus ou éventuellement à induire que le scrutin ne s'est pas déroulé ça et là. Je puis vous affirmer que les informations que nous avons, de la conduite des opérations électorales que nous avons suivies, que nous avons menées, le scrutin du référendum constitutionnel s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, y compris la région de Kidal. Je ne voulais pas rentrer dans les détails pour... Vous avez entendu? Parce qu'il y a toujours des personnes qui foutent la merde dans le bordel. On va écouter. Être dit à ce on stade, va écouter la partie. Ceci ou éventuellement à induire que le scrutin ne s'est pas déroulé ça et là. Je puis vous affirmer que les informations que nous avons, de la conduite des opérations électorales que nous avons suivies, que nous avons menées, le scrutin du référendum constitutionnel s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, y compris la région de Kidal. Je ne voulais pas rentrer dans les détails pour aller au-delà de ce qui doit pouvoir être dit à ce stade où nous en sommes, mais nous voulons réaffirmer et informer l'opinion nationale et internationale que le scrutin s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Nous attendons et nous suivons la remontée des différents résultats. À l'heure où je vous parle, nous avons environ 19 000 résultats des différents bureaux de vote qui nous sont parvenus sur à peu près 24 000 bureaux de vote que nous avons. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans les délais et le travail se déroule avec efficacité, mais aussi avec efficience. Bon. Maintenant, là, moi je veux savoir, quel est le problème? Pourquoi vous voulez toujours trouver des poux sur la tête d'un chauve? Pourquoi vouloir mélanger, créer la zizanie? Nous-mêmes, nous le savons déjà, même si on enlève l'affaire de Kidal là même dedans, enlevons les votes mais de Kidal, vous pensez que le lui ne va pas remporter, de vous à moi? Même si on enlève les votes de Kidal là, vous pensez que le lui ne va pas remporter? Arrivé un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, nous ne parlons même pas de Assimi Goïta. Ce n'est pas une histoire de Assimi Goïta, c'est une histoire du Mali. Anagne Kidal yere bo voti yere la. Mesdames et messieurs, Afrique de liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, c'était donc l'intervention d'abord de votre humble serviteur, l'Amérique Bafé que je suis, et aussi de Maïmouna Kamara, la guêpe, elle est proche de Guillaume Kibaforu, Soro Mounes Manto, elle est cadre de GPS. Si donc vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, abonnez-vous massivement, activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos directs. Activez donc la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Ça a été donc pour moi un plaisir encore une fois de plus d'être en votre compagnie cette soirée de mercredi 21 juin 2023. Il faudrait aussi faire le maximum de partage, inviter vos amis, taguer vos amis. Envoyez la vidéo partout en Afrique. Vive le panafricanisme, à bas la France-Afrique, à bas les dictateurs. À bas les vassaux chefs d'État, à bas les sous-préfets français, à bas à toutes les personnes qui ne sont pas prêtes pour l'évolution de l'Afrique. Portez-vous bien. À demain pour notre direct. Ciao, ciao.